Bonjour à tous et à toutes, je suis Ulysse et aujourd'hui un petit fan game que j'ai trouvé et que ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait un, Stolen the Ancient Keys, qui est un Metroidvania où le principe est tout simple, vous incarnez Toad, et c'est normal qu'il n'y ait pas de son hein, pour le moment, je vous rassure. Vous incarnez Toad et vous allez devoir vous balader dans une map à la Metroid Castlevania actuelle pour trouver trois clés. Et la particularité, c'est que c'est un Metroidvania avec les graphismes de, que je dise pas de bêtises, Super Mario Bros 2, je crois que c'est le Doki Doki Panic. Oui. J'ai testé dans mon coin, très franchement, c'est excellent. Donc on va y aller. Normalement, j'ai configuré mes touches, c'est normal, oui, new game. Donc on y va. Donc c'est normal qu'il n'y ait pas de son. Donc là, j'incarne le Toad. Tout ce que je vais faire, c'est droite-gauche, sauter, et j'aurai une autre touche pour attaquer. En haut à gauche, vous voyez, j'ai 3 vies. Et en bas à gauche, j'ai 3 clés. 3 clés qui me serviront. Alors je vais vous montrer de suite pourquoi. Voilà, tout ça est normal pour le moment. Voilà, qui me serviront pour cette phase. Donc je dois récupérer trois clés pour accéder à ce chemin. Et de suite la musique. Et point d'honneur sur la musique. Ça vous met dans l'ambiance. Je suis déjà allé à gauche quand j'ai fait mes tests, donc du coup je vais aller à droite pour savoir ce qui se passe. Là, je peux pas y aller. Donc il me faut que je récupère ce que j'avais trouvé. Donc là, vous voyez, ce sont les socles où je peux sauvegarder et récupérer mon énergie. Dans le son super fort dans mon casque. Très franchement, ça a l'air d'un jeu qui a l'air super cool. Sinon, sur le jeu. Il a été créé par, alors j'ai le nom juste à côté, Destin G Master. Il a été créé en 2016 et c'est un jeu de plateforme aventure. Il aurait bien sa place dans un jeu de MDR ce jeu. Ouais non, pas là pour le moment. Je vais reprendre le chemin où je suis allé quand j'ai fait mes tests. Franchement, la BO est excellente et de très très bonne qualité. Tac, je save. Et on va être incorporé ici à un nouveau gameplay. Les lasers qui vous suivent, ça nous servira pour ici. Voilà. Voilà, déjà j'ai perdu une vie. Et là j'ai mon premier ma première upgrade, c'est le high jump, donc maintenir bas et appuyer sur A pour faire un saut chargé. Aïe, c'est normal. Après je vais les sauvegarder. Maintenant que j'ai mon high jump, je vais pouvoir. Ah non, je ne récupère pas ma vie. Je suis déçu. Maintenant que j'ai mon high jump, je vais. Attendez. Le décès, c'est normal. Ne vous en faites pas. C'est pour récupérer la vie. Donc normalement, j'ai toujours mon upgrade. Ouais. Très franchement, la musique, elle envoie du pâté sévère. Alors attendez. Ah, ça passe presque. Bah, c'est bien, on découvre des nouvelles zones. Je suis sûr, le jeu ne doit pas durer plus d'une demi-heure, mais ça a l'air, c'est super fun. Là, j'explore un petit peu. Je ne vais sans doute pas où il faut, mais c'est pas grave. Ah, j'ai au-dessus, d'accord. Donc là je peux aller au haut ou à droite. Oh, j'ai une épée. Oh oui, les petites références à Zelda. Ça serait cool. Alors attention, 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 attention.
Je ne suis pas assez haut. Je ne saute pas assez haut, c'est dommage. Ah, l'épée, ce serait énorme si c'était une petite référence à Zelda. Ouais, c'est juste, ouais, c'est juste. Ouais, ça va être la galère. Ouais, non, ça va être la galère. Ouais, ça va être la galère. Oh, la première clé, oui. Ah, je dis oui. Le décès, évidemment. La première clé, je pense qu'elle est chopable sans tuer les ennemis dans cette salle. Raté. Je ne sais pas où je vais. Ah, deuxième upgrade. Spin jump. Press up. Ah, ça peut être intéressant. Donc ça doit être... Ça marche pas cette merde. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Je n'ai pas compris l'utilité. Pas grave, je vais le retenter. Ah mais je l'ai... Ah c'est pété ça. Ah c'est pété ça, je l'ai récupéré. Enfin je l'ai gardé, le jeu considère que je l'ai gardé donc... Ah ouais, si ça marche mais c'est ultra long. Non c'est vachement cool. Donc ça sert pour cette phase alors. On va voir si ça sert vraiment pour cette phase. Ah ouais, mais c'est pété. Attendez. Waouh. Yeah, j'ai une clé. Donc c'est la première clé du jeu. Ah, ça va servir à ça. Waouh, ça va être galère. Allez, vas-y. Vas-y ma gueule. Yeah. Et donc là, si je peux. Ouais. Ah, c'est une petite référence à Zelda. Par contre, je vois pas du tout où je suis. Ça, c'est cool par contre. Du coup, je vais peut-être finir le jeu. Ce serait bien. Je n'ai pas mon temps par contre. Donc, je ne sais pas au bout de combien de temps. Depuis combien de temps j'enregistre. Je trouve ça énorme. Je trouve ça juste incroyable. Trop d'émotions en moi. Je dis pas grand chose parce que je suis aussi... Ah, ça marche pas sur le côté, c'est dommage. C'est dommage, ça aura pu être pété ça. Donc là, si j'attaque avec l'épée... Ah, je crois que j'ai reconnu un petit bruitage à la Zelda. Ok. Ah, mais c'est génial. Ah, mais c'est... Ah non, ce mec a fait un travail énorme. Ah, moi, je reste... Je reste sur le cul. Ah, c'est pas mal ce petit truc que j'ai fait, ce petit glitch. Bon, au moins, j'ai gardé mon épée. Je vais aller sauvegarder tout en haut. Je perds toute ma vie, mais j'en ai rien à faire. Est-ce que je peux tuer ? Est-ce que je peux le tuer ? Oui, je peux le tuer. Et c'est cool. Donc on va save ici. Ouais, c'était juste ça. Wow.
Waouh, ça c'était magnifique. Ah, c'est la salle juste en dessous du laser. Voilà. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Ok, ok. Est-ce qu'on a le droit au petit boss? Ah non. Ouais, ça va être chaud. Ouais, ça va être chaud. Oh zut. Allez, je le passe. Je le passe. Easy peasy. Ah, je peux sauter par-dessus, ça c'est bien. Ah, dommage. Ah, par contre, la musique, elle m'enjaille de ouf. Voilà comment on fait. Allez, là on passe tranquille. Allez. Ok. Commence bien. Oh, ça passe. Hop, il y a une save. Ça c'est cool. Oh. On y croit. Yay, la deuxième clé. Bon, si je finis le jeu, je vous aurais tout spoilé, m'en voulez pas. Et là, je vais où? Là, c'est là où j'ai récupéré l'épée. Je ne sais pas où aller. Là, c'est une save. Peut-être là. Non, là je suis déjà allé. Ou alors peut-être cette porte qui se trouve tout là-bas. Ah ah, tiens donc. Et donc là normalement je peux l'ouvrir. Ah, je ne peux pas l'ouvrir, mais j'ai découvert le chemin d'après. On va aller à gauche. La petite save. Ok. Ah, je m'arrête par contre quand je donne des coups d'épée. Ouah, 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 ouah. Ça fait mal. Ok. Est-ce que je peux... Voilà, tomber comme ça. Ok, ok, ok. Non, si, si, ça. Par contre, les ennemis je pense que les ennemis pourraient redonner des cœurs. Les bonnes grosses salles d'ennemis. Ah, et la dernière clé. Allez, vas-y, là je finis le jeu. Bon, attendez. Est-ce que... Allez, ça me garde la dernière clé. Je crois que le jeu est un petit peu buggé au niveau du progress. Donc normalement là... Allez, un petit boss et ce serait génial. Ah non, la fin du jeu. C'est la fin du jeu. Oui, non, peut-être. Ouais. Ça ne touche plus à rien. Waouh, c'était Toilette. La mur, tout ça. C'est beau. C'est fini. C'est fini. Enfin, voilà. Bah moi, mine de rien, ce petit jeu-là, ça m'a vraiment bien plu. Je pense que si ce jeu a un peu de succès, une version plus longue pourrait être faite. Ah, quand même, une petite équipe derrière tout ça, c'est vraiment une...
C'est vraiment cool. Moi, je leur dis qu'ils ont. Moi, je pense qu'ils ont fait un énorme travail, un travail de qualité. Une qualité incroyable. Bref, j'en perds mes mots pour dire à quel point ce fan game est peut-être un des bons fan games. Pas un des meilleurs, mais un des bons fan games autour de l'univers de Mario, vu que on retrouve un petit peu l'action plateforme, mais on a en plus cette touche de Metroidvania avec les upgrades et les multiples salles. Et ça, je trouve ça cool. Je vous recommande de l'essayer. J'espère que ça plaise pas à tout le monde, mais c'est un petit jeu pour lequel je mettrai un point d'honneur sur la musique. Voilà. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo en ma compagnie. J'espère qu'elle vous aura plu. Je le mettrai comme d'habitude dans le lien. Oula, non, pas dans le lien. Dans la description de la vidéo, le lien pour le jeu, c'est sur Armstation. Vous cherchez Toad and the Ancient Skies. N'oubliez pas, comme d'habitude, hein, de t'abonner si cette vidéo t'a plu, d'aller regarder les autres pour te faire une idée de ce que je propose. De laisser un commentaire sur cette vidéo, de la liker, de la partager, de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de me suivre sur Twitter, @relus1. Je te souhaite un bon jeu et je te dis à la prochaine.